Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dehors. Oui, on est le 2 décembre et je filme dehors. Voilà, mais donc je vous retrouve pour une vidéo en collaboration avec Alison de la chaîne Cookies Fantasy. Donc on avait déjà fait une vidéo en collaboration il n'y a pas très très longtemps et ça vous avait bien plu, du coup on a décidé tout simplement d'en refaire une. Sauf que cette fois-ci ce sera pour vous présenter différents DIY pour décorer votre chambre pour Noël. Donc voilà. Avant de commencer, je tenais à m'excuser encore une fois de mon absence de 3 semaines, mais je vous avais prévenu lors de ma dernière vidéo qu'il n'y aurait pas de vidéo, tout simplement car je suis en 3ème et que j'ai beaucoup de contrôle et tout ça, et du coup je préfère me concentrer sur mes études, voilà. C'est un peu important quand même. Donc voilà, ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, j'avais pas du tout le temps, tout simplement. Donc voilà, mais j'espère que cette vidéo-ci va vous plaire et je vous dis à la prochaine, bisous! Le premier DIY est un tableau tête de cerf. Donc pour cela on va d'abord prendre les couleurs de notre choix. Moi j'ai opté pour un rose pâle et un blanc. Donc j'ai fait un tableau à 2 couleurs, mais vous pouvez en choisir 3 ou plus, c'est comme vous voulez. Donc on va prendre une éponge, vous pouvez aussi prendre un pinceau éponge, vous pouvez prendre des éponges d'un peu partout, voilà. Et on va venir prendre une à une les 2 couleurs et les tamponner un peu partout sur la toile pour former des petits dégradés. Après vous n'êtes pas obligé de faire des petits points comme j'ai fait moi, vous pouvez faire des lignes ou n'importe autre quelle forme, c'est vous qui voyez tant que ça vous plaît. Ensuite je suis venue imprimer un patron tête de cerf sur internet et je vais venir donc le reporter sur ma toile, puis je vais remplir l'intérieur de mon dessin avec de la colle, donc de la colle liquide transparente, moi j'ai pris de la Mod Podge, puis je vais venir saupoudrer le tout de paillettes argentées. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de paillettes bien entendu. Donc on fait ça pour tout notre cerf. Puis on étale bien, on enlève l'excédent et on n'oublie pas de vernir une fois que c'est sec pour éviter d'avoir des paillettes partout parce que c'est très embêtant. Donc voilà pour le premier DIY. Le deuxième DIY est pour réaliser une bougie Père Noël. Donc moi j'ai récupéré une bougie Yankee Candle Summer Scoop, mais si vous faites votre bougie vous-même ce sera encore mieux. Donc je suis venue retirer l'étiquette et je suis ensuite venue faire le tour de ma jarre avec du ruban noir afin de savoir quelle quantité j'en avais besoin. Puis dans du papier jaune, donc du papier consent, je suis venue dessiner et découper la boucle de la ceinture, donc adaptée bien sûr à la taille de ma jarre. Puis je suis venue découper un carré plus petit à l'intérieur pour former la boucle de ceinture, tout simplement. Ensuite je suis venue fixer autour de ma jarre avec mon pistolet à colle le ruban et je suis ensuite venue fixer par-dessus la petite boucle que j'ai fait précédemment. Et voilà, vous n'avez plus qu'à allumer votre bougie et ce DIY est déjà fini. Le prochain DIY est pour réaliser une guirlande de pompons. Je trouvais ça vraiment super sympa pour Noël ou même pour l'hiver en général. Ça fait très cocooning et c'est un peu la saison. Donc on va d'abord prendre des échevettes de coton de couleur de notre choix et on va venir l'enrouler 2 fois autour de nos 3 doigts. Ça peut être plus ou moins de doigts, ça dépend de quelle longueur vous voulez que vos pompons soient, simplement. Donc je vais venir laisser dépasser un peu de fil et je vais venir avec le fil qui dépasse justement enrouler le haut de mon pompon, puis fixer le tout ensuite en faisant des nœuds avec ce même fil. Donc voilà, c'est pour pas que votre pompon se casse tout simplement, donc il faut bien faire plusieurs tours et plusieurs nœuds afin d'être bien sûr que ça la tienne. Ensuite avec un ciseau à couture je suis venue découper vers le bas afin que mon pompon soit mis en forme et je viens donc le rectifier un petit peu et je fais ça donc pour tous mes pompons. Donc vous avez pu voir que j'ai mis un stylo entre chaque boucle pour garder la boucle, tout simplement pas passer à travers les fils. Et avec un fil de coton blanc, je viens tout simplement tendre le fil qui me permettra d'accrocher la guirlande. Et voilà!
Le DIY suivant est pour réaliser un petit bonhomme de neige avec une chaussette. Donc on va commencer par couper le talon de notre chaussette et ne garder que le haut. Puis on va venir faire un petit ourlet là où on a découpé pour que ce soit un peu plus joli et plus esthétique. Et on vient refermer ce trou avec de la colle chaude, donc le pistolet à colle. Puis je viens ensuite découper l'élastique qui se trouve en haut de ma chaussette. Ensuite avec de la ouate ou du rembourrage pour peluche ou même du papier journal, ça fera l'affaire. Je vais venir rembourrer mon petit bonhomme de neige, donc je viens en mettre au fond de la chaussette afin de former une grosse boule pour faire le corps de mon bonhomme de neige. Puis une fois que je trouve ma boule assez grosse, je viens fixer le tout avec un élastique. Puis je viens faire le même processus mais cette fois-ci avec une plus petite quantité de matière pour faire la tête. Après vous n'êtes pas obligé de faire deux boules, vous pouvez en faire 3 ou 4, c'est comme vous voulez, mais c'est très important de refermer entre chaque boule avec un élastique. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Maintenant on va venir faire l'écharpe du bonhomme de neige. Donc pour ça j'ai découpé un rectangle de tissu et je viens faire deux ourlets de chaque côté afin de cacher les petits fils qui dépassent. Et je viens ensuite recoller cet ourlet, ce bout de tissu en deux afin d'avoir une jolie écharpe bien nette. Puis je viens la fixer autour du cou de mon bonhomme de neige pour cacher l'élastique. Je fixe ensuite deux petits boutons pour la déco. Et maintenant je vais venir faire le chapeau. Donc pour ça je découpe un rond dans du papier noir et je viens également découper une autre bande pour faire le haut du chapeau. Voilà, je reviens fermer le haut du chapeau avec un autre petit rond et je viens ensuite fixer le haut du chapeau au bas du chapeau avec de la colle et je viens ensuite fixer le chapeau sur mon petit bonhomme de neige. Donc c'est assez compliqué mais voilà. Et ensuite pour le visage, j'ai tout simplement pris des petites épingles, donc deux noires et une rouge, et voilà le travail. Le DIY suivant est pour réaliser une guirlande de sapin. Je trouve ça vraiment trop mignon pour décorer une chambre ou n'importe où d'ailleurs. Donc je suis venue imprimer un patron de sapin que je suis venue rapporter sur des feuilles canson, donc blanches et argentées. Je suis venue ensuite découper tous mes sapins, j'en ai eu besoin de 10 au total, donc 5 gris et 5 blancs. Et je suis venue ensuite les disposer sur une corde à l'aide de petites pinces. Et voilà, le DIY est déjà fini, c'est super simple mais trop chou. On arrive déjà au dernier DIY de cette vidéo qui sera pour réaliser un petit sapin miniature. Donc on va commencer par prendre une feuille blanche et on va rouler un cône à l'aide de celle-ci. Puis on va venir découper la base avec notre ciseau pour que ça tienne debout et que ce soit bien droit. Donc on fixe notre cône avec du scotch et on va venir ensuite le recouvrir de papier cuisson afin que la colle n'adhère pas au papier et qu'on puisse donc décoller notre petit sapin. Ensuite je vais venir mélanger de la colle liquide transparente avec un peu d'eau afin d'obtenir une texture un peu comme du lait. Puis je vais venir tremper à l'intérieur des fils de coton vert, donc des petits bouts. Je viens ensuite essorer le tout et le tournicoter autour de mon cône, voilà, du haut vers le bas. Je fais ça avec plusieurs bouts de fil jusqu'à ce que mon sapin me plaise et j'attends ensuite que cela sèche. Je viens ensuite le décoller délicatement, donc moi vous avez pu remarquer que le bas est parti, voilà ça s'est cassé. Mais bon c'est pas très grave, donc pour la déco je suis venue prendre une petite perle en forme d'étoile et je suis venue la coller sur le sapin. Puis avec des anneaux tout petits et des perles Miyuki, je vais venir faire une imitation de boule de Noël. Donc je passe une petite perle dans un des anneaux, puis je passe l'anneau à un des fils du sapin. Et voilà, ça fait une imitation boule de Noël trop mignonne. Donc vous en mettez autant que vous voulez et voilà le DIY terminé. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de Noël. Bisous !